D'emblée, Gradius reprend des éléments innovants des précédents shoot'em up. Il y aura différentes possibilités de tir, plusieurs niveaux et un armement évolutif. Mais en plus de cela, le jeu devra être très varié et innovant bien plus qu'aucun autre shoot'em up auparavant. Tout d'abord, ses différents niveaux. Ils devront être étendus et tous différents, possédant chacun leur propre identité et identifiable tout de suite, et proposant des ennemis plus forts à chaque fin de niveau. Et Gradius va plus loin que ça. Jusqu'à présent, aucun shoot'em up n'avait possédé une bande-son réellement travaillée et proposant vraiment plus que les bruitages des tirs et explosions. Bien qu'il faille préciser néanmoins que Konami eux-mêmes avaient déjà précédemment expérimenté la chose en proposant de la musique dans les jeux Gyrus ou Puyan, mais cette fois-ci, ça ira beaucoup plus loin. Chaque niveau aura droit à sa musique correspondant à sa personnalité. Et on nous offrira même des musiques supplémentaires lors d'événements particuliers, comme l'affrontement contre un boss. La bande-son sera par ailleurs ensuite rendue disponible en CD et cassette audio. Et l'autre point sur lequel Gradius va grandement se démarquer et imposer ses idées à la très grande majorité des jeux qui suivront, c'est en ce qui concerne l'upgrade des armes. On l'a dit, ce n'est pas Gradius qui a inventé cette idée. On la retrouve dès 1981 avec le jeu Space Fury de Sega. Et elle a déjà fait son bonhomme de chemin. Galaga de Namco proposait la possibilité d'utiliser deux vaisseaux accolés pour avoir un double tir, en échange du risque de perdre une vie supplémentaire si l'on était touché. Gyrus s'est libéré de cette contrepartie négative en faisant apparaître le power-up au moment de l'élimination d'ennemis particuliers. Puis 1942 de Capcom a été plus loin en proposant les power-up dans des caisses laissées par les ennemis après leur destruction. Il était donc possible de les récupérer ou non, selon le fait que l'on soit prêt à prendre le risque d'aller les chercher ou non. En gardant l'idée de collecte d'objets, Gradius va cette fois proposer beaucoup plus. Plus la collecte d'objets sera grande, plus la puissance de feu sera grande. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas seulement deux possibilités de tir, mais toute une variété qui sera qui plus est différente. Gradius proposera en effet la possibilité d'ajouter 6 armements différents à son vaisseau. La possibilité est ensuite donnée au joueur de choisir quel upgrade il désire pour son vaisseau. En effet, il sera ici aussi question de ramasser des objets laissés par les ennemis, et il faudra les cumuler, mais avec un système par palier bien particulier qui apporte souplesse et stratégie au jeu. En bas de l'écran, 6 cases accolées les unes aux autres représentent les différents armements par ordre de puissance. Lorsque le joueur ramasse un objet, la première case est activée, en surbrillance. Mais le tir de base reste actif. Si le joueur ramasse un second objet, la seconde case est activée, et ainsi de suite pour les 6 cases. Et en réalité, le joueur décide à quel moment activer ses bonus, ce qui lui permet de choisir l'arme qu'il souhaite obtenir tout en ajoutant un côté stratégique, car lorsque le joueur valide son upgrade, les cases sont toutes vidées en échange. Il faudra donc choisir entre le fait d'avoir une meilleure arme tout de suite, ce qui peut être nécessaire pour sortir d'une mauvaise passe, ou prendre le risque de patienter davantage pour avoir une meilleure arme plus rapidement qui permettra sans doute de s'en sortir mieux plus loin dans le niveau. Ce système évolutif et personnalisable aurait pu avoir pour inspiration la montée en popularité du genre RPG à cette époque au Japon. Et les différents armements ont des capacités très variées. On trouve 2 attributs et 4 armements. Le joueur commence avec un tir simple, qui ne permet la présence que de 2 balles simultanément à l'écran, ce qui était déjà le cas dans Scramble. Ce type de tir demande donc de la précision. Les 2 attributs sont le speed up, qui augmente la vitesse du vaisseau, et le bouclier, qui place devant vous un bouclier pouvant recevoir jusqu'à 15 coups avant d'être détruit. Le premier upgrade activable est le missile. Il s'agit d'une arme tirée dans les airs se dirigeant vers le sol comme il y en avait dans Scramble, mais elle a été ici améliorée. Elle tombe tout d'abord à la verticale, puis elle suit les contours du terrain où elle atterrit pour tout anéantir. Puis vient le double. Avec celui-ci, le vaisseau tirera dans 2 directions, de face et vers le haut. Cela est très pratique pour se débarrasser en même temps d'ennemis venus du dessus et d'ennemis venus de devant. Car oui, dans Gradius, les ennemis peuvent maintenant arriver de partout. En revanche, comme la cadence de tir n'est pas augmentée, il sera encore moins possible d'envoyer de nombreuses balles vers l'avant.
Le troisième upgrade est le laser. Un tir puissant trace une longue ligne droite devant le vaisseau, détruisant tout sur son passage. Cela aurait été inspiré à l'origine par une fiction appelée Lensman. Le laser n'est pas cumulable avec le double. Il faudra donc choisir entre le tir puissant dans une seule direction ou le tir multidirectionnel. Cet élément sera souvent repris dans le monde du shoot'em up. L'upgrade option est sans doute la meilleure arme du jeu. Dans Galaga, votre vaisseau pouvait se multiplier en deux, mais était destructible et faisait prendre le risque de perdre une vie. Ici, il est possible de multiplier son tir de la même manière, par 2, mais aussi par 3, 4 ou même 5. Et il ne s'agit pas de vaisseaux accolés destructibles, mais de doubles représentés par une lumière rouge indestructible suivant les mouvements du joueur et imitant les tirs de celui-ci. Autant dire que cumuler la puissance de tir multipliée par 5 avec le laser va donner beaucoup de fil à retordre aux adversaires et une très grande sensation de puissance, du jamais vu à l'époque. De plus, ce quintuple tir s'adapte à vos mouvements, ce qui permet de placer les options de manière stratégique en fonction de l'action du moment. Les icônes permettant l'augmentation de la puissance du vaisseau sont relativement nombreux. Il est donc tout à fait possible de se retrouver avec un vaisseau possédant toutes les capacités en même temps, à part donc le double et le laser. Il faudra choisir entre les deux selon la situation. Et à chaque perte de vie, tout est désactivé et la quête de l'enrichissement du vaisseau redémarre. Et tout cela a également pour conséquence le fait que les meilleurs joueurs pourront donc ainsi parfois éviter volontairement des objets pour se garder disponible une option bien précise pour un moment bien précis. Tout cela offre donc une grande variété, de la souplesse, de la stratégie et une grande impression de puissance et de liberté. Comme il est possible de posséder ou non tout cet armement, le jeu a été pensé pour s'y adapter. Tout d'abord, quand vous possédez une moins grande puissance de feu et que vous êtes en vie dans le jeu depuis peu, vos ennemis se montreront moins agressifs. Et surtout, chaque niveau commence par une phase calme qui permet la prise en main, ou de faire une pause après un autre niveau, et le début de la quête de l'armement. Tout cela rend le jeu grandement personnalisable, et les suites de Gradius iront encore plus loin sur cette idée. Konami reprendra à plusieurs reprises son système d'upgrade d'armes, notamment dans le jeu Parodius en 1988, mais aussi avec les jeux Fastlane, Devil World et Ajax. Mais peu d'autres développeurs suivront ce modèle. On peut néanmoins citer les jeux Slap Flight, Androgynos et le jeu de plateforme Psychonix Oscar. Ce système d'upgrade sera plutôt généralement remplacé par un système plus simple, comme ce sera le cas dans le prochain très grand succès du shoot'em up, R-Type, en 1987, dont le système d'upgrade sera popularisé et souvent imité par la suite. Au niveau technique, on ne peut rien reprocher à Gradius. Nous avons déjà parlé de la musique, les graphismes n'ont eux non plus rien à se reprocher. Ils sont peu colorés, mais assez détaillés, et on remarque de très gros sprites agréables à regarder. La maniabilité est bonne, et l'animation est relativement fluide. Les bruitages sont simples, mais efficaces. Concernant les suites, on y retrouve de nombreux éléments de l'univers de Gradius, mais la série Gradius est une série un peu compliquée. Elle a engendré plusieurs sous-séries, et comporte d'assez nombreux épisodes, aux dénominations différentes, et donc un peu compliquées. Ainsi, Gradius se nomme parfois Nemesis, et parfois aucun des deux titres n'est présent, mais il s'agit quand même de la série. Et parfois, deux jeux différents portent le même titre. Et à propos de ces suites, s'il est vrai que Gradius a connu un franc succès en arcade à l'époque, et que son apport au genre shoot'em up est plus qu'indéniable, et aussi qu'il est une étape vers le sous-genre Manic Shooter, son devenir après ce premier épisode est parfois remis en question. Des reproches sont régulièrement adressés à ses suites. Les reproches adressés aux suites concernent généralement le fait que chaque épisode semble reprendre la formule du premier Gradius sans très grand changement, avec les mêmes ennemis, les mêmes bruitages, ce qui participe au fait de conserver un classicisme déconcertant pour certains. Il est aussi parfois reproché à la série d'augmenter régulièrement la difficulté de manière un peu trop élevée, rendant les jeux de plus en plus inaccessibles. L'histoire de Gradius n'est pas particulièrement recherchée. En 6641, le pilote James Burton, aux commandes de son vaisseau le Vic Viper, affronte une armée d'extraterrestres appelée les Bacteriums, et étant en guerre contre les humains.
Les suites de Gradius décrivent d'autres batailles contre les Bactérions, dans un premier temps toujours dans la peau de James Burton, puis dans celle d'autres pilotes une fois le décès de celui-ci. Quelques épisodes décrivent aussi des affrontements avec d'autres ennemis. Gradius est le nom de la planète sur laquelle se déroule la bataille. On peut trouver des affiches publicitaires de l'époque malmenant un peu ce scénario, parlant par exemple du capitaine Nemo, qui ont été faites avant de connaître le succès qu'allait avoir le jeu. Comme nous l'avons dit, Gradius contient donc différents niveaux. Ils sont au nombre de 7. Chaque niveau est composé d'une phase de préparation, une phase de combat, une vingtaine de secondes où le vaisseau doit survivre uniquement grâce à la défense, et un boss. Et chaque niveau présente de nouveaux ennemis. Le premier niveau est une grotte, on y rencontre des tourelles, des robots bipèdes et des mini-bases d'où sortent des vaisseaux. La phase de défense se fait face à deux montagnes qui entrent en éruption, et le boss est Big Core, un ennemi emblématique de la série. Dans le premier Gradius, on retrouvera ce boss à la fin de quasiment tous les niveaux. Son point faible est une sphère bleue, difficilement accessible car gardée par une série de barrières. Cette idée de détruire le noyau sera souvent réutilisée ensuite. Si le combat dure trop, le boss s'autodétruit pour favoriser la progression dans le jeu aux joueurs persistants. Le second niveau est un espace libre dans lequel il est possible de déplacer l'écran en scrolling vertical ou horizontal selon les déplacements du vaisseau, et il possède des décors destructibles. Tout cela le rend particulièrement innovant. Dans le troisième niveau, vous affronterez les statues de l'île de Pâques. En s'inspirant de Xevious, qui avait pour sa part utilisé le mystère autour des lignes de Nazca, Gradius tente d'utiliser le côté mystérieux des statues de l'île de Pâques. Et celles-ci deviendront des adversaires récurrents dans la série Gradius. Leur point faible est la bouche, et elles ne tirent que lorsqu'elles vous voient. Le niveau 4 est en fait le niveau 1 retourné horizontalement, les montagnes partent donc du haut par exemple, avec la gravité également inversée. Le niveau 5 est un niveau classique dans les Gradius, le niveau organique, contenant des monstres répugnants. Ces niveaux sont souvent l'occasion de décors se transformant en temps réel. Le niveau 6 est un second niveau organique très chargé, dans lequel il faudra détruire les décors intelligemment pour se frayer un chemin. Le boss enverra des petites sphères très rapides dont il faudra se protéger, augmentant la difficulté de se concentrer sur l'attaque. Le dernier niveau est inspiré par la fin de Scramble. C'est un niveau métallique dans lequel il faudra traverser de sinueux couloirs en réaffrontant tous les ennemis croisés lors du jeu. Il faudra affronter une étape dans laquelle le Vic Viper se retrouve emprisonné dans une cage, puis passer une porte se refermant lentement, et c'est le boss final. Cependant, ce boss est assez décevant, car il n'offre pas de difficultés particulières, comme c'est souvent le cas dans la série Gradius. Et même si vous survivez pendant 30 secondes, il s'autodétruit. Avec toutes ces innovations correspondant davantage aux jeux de l'ère suivante, on peut en conclure que Gradius est donc un exemple concret du passage des jeux vidéo d'une époque à une autre. Gradius a été adapté sur de très nombreux supports, et toutes les adaptations ont été supervisées par Konami. Ceci dit, elles ne sont pas toutes réussies pour autant, notamment celles développées par des équipes occidentales lorsqu'il s'agit d'une machine n'étant pas d'origine japonaise. En dehors de l'arcade, les débuts de Konami se sont principalement faits sur le micro-ordinateur japonais MSX et le NEC PC88. C'est donc en toute logique qu'une conversion MSX de Gradius a vu le jour. Malgré les limitations techniques que cela impose, la conversion MSX est très fidèle à la version arcade, et tout y paraît réussi. Graphisme, gameplay, bande-son, sprite... Cette conversion va même beaucoup plus loin, en ajoutant un 8ème niveau. Un genre de cimetière, des passages secrets et de nouvelles possibilités de gameplay, possibilité de valider deux fois laser ou missile pour les rendre plus puissants. Une très bonne conversion donc, même si l'absence de scrolling se fait ressentir. La conversion NES n'offre pas autant de possibilités, la taille des sprites a été réduite, les passages secrets et le niveau supplémentaire n'y sont pas,
et on ne peut cumuler que deux options. Cependant, elle reste une très bonne conversion. Elle aussi, fidèle à la version arcade, et propose de plus jolis graphismes que la version MSX. Il y a dans la version Famicom, NES japonaise, des petits messages adressés aux joueurs lorsqu'ils terminent une boucle complète du jeu. Et au Japon, une version spéciale a existé, appelée Gradius Archimède N, dans laquelle on peut voir des bols de nouilles, suite à une association commerciale avec la marque japonaise Archimède. La version NES de Gradius a été réutilisée à plusieurs occasions. Elle a été reconvertie en arcade, en la simplifiant, et c'est cette version qui a été rendue disponible plus tard en téléchargement sur la console virtuelle de la Wii et le 3DS eShop. La version NES de Gradius est également le premier jeu à inclure le Konami Code, un code composé d'une séquence de boutons à presser dans un ordre précis, ce qui débloquera généralement une option secrète dans de nombreux jeux Konami. Dans Gradius, le Konami Code donne accès au power-up directement, ainsi qu'à 30 vies. La meilleure version console fut celle faite pour la PC Engine en 91. C'est elle qui possède les graphismes les plus réussis, la bande-son a été retravaillée, elle intègre tous les niveaux, y compris le cimetière, la possibilité d'avoir 4 options, le scrolling. Cependant, la difficulté a été revue à la baisse, la taille de l'écran a été réduite, et le titre possède des ralentissements. Il y en avait déjà dans la version arcade, mais c'est ici amplifié. Le niveau du cimetière a été amélioré, et intègre même une idée de décor destructible négatif. Si vous détruisez certaines parties du décor, les éclats projetés pourront vous gêner. La version PC Engine a été rendue disponible sur iOS dans la compilation TurboGrafx-16 Gamebox. La version pour le Sharp X68000 est elle aussi très réussie. Mais rendue disponible uniquement au Japon sur cet ordinateur, elle ne sera pas accessible au reste du monde. Qui plus est, pour cette machine, Gradius a pendant un temps été vendu avec la machine en faisant un incontournable du X68000. La version Sharp X1 est pour sa part moins réussie, notamment à cause de problèmes de vitesse et d'un vaisseau trop grand. La version PC88 est à peu près similaire, mis à part la musique. On retrouvera Gradius dans diverses compilations pour PlayStation, Saturn, PC, PSP et Nintendo DS, qui sont à peu de choses près identiques à la version arcade. Il existe aussi donc de moins bonnes conversions, faites en sous-traitance pour des micro-ordinateurs occidentaux. La meilleure d'entre elles est la version Commodore 64, dans laquelle on retrouve les 8 niveaux et où le jeu est fluide. Mais cependant, l'écran est réduit, le comportement des ennemis est mal géré, ainsi que les différents upgrades. Les versions ZX Spectrum et Amstrad CPC sont encore plus ratées, avec une mauvaise animation, de nombreux bugs, la remise à zéro du niveau à la perte d'une vie. La version ZX Spectrum a été, avant sa sortie, prévue par la presse de l'époque comme allant être une très bonne conversion. Mais cela avait été fait avec des images truquées et était mensonger. Il aurait aussi été question d'une version BBC Micro n'ayant pas été terminée. Il existe aussi une version homebrew non officielle de Gradius pour MSX2 téléchargeable sur internet, appelée Gradius Handset. Gradius a également été converti en jeu électronique à écran LCD et en jeu de société en association avec Bandai au Japon. Et il est possible de trouver un jeu Game Boy de 1990 appelé Gradius. Cependant, nous y reviendrons car il ne s'agit pas tout à fait d'une conversion du jeu arcade. On remarquera aussi quelques apparitions de Gradius dans d'autres jeux par la suite. Il y est en effet plus ou moins fait référence dans de nombreux jeux. On peut remarquer ces références, par exemple dans la série Goemon, et notamment dans le jeu Legend of the Mystical Ninja, qui reprend le premier niveau de Gradius. Mais aussi dans les jeux Blades of Steel, où un boss de Gradius apparaît, les jeux musicaux de Konami Dance Dance Revolution, Beatmania ou Pop & Music, où l'on peut par exemple entendre une reprise de la musique de Gradius, ou Zone of the Under, The Second Run, qui propose de débloquer un remake 3D du premier Gradius. Certaines des cartes du populaire Yu-Gi-Oh! Sont également inspirées par l'univers de Gradius. Il est également possible de trouver des références dans la série Castlevania.
ou encore dans le jeu Rocket Knight Adventure. Certains éléments de Gradius sont parfois mis en vedette dans d'autres jeux. On retrouve les Moai dans le jeu Famicom Moai-kun, ainsi que dans Konami's Crazy Racer, dans lequel on retrouve également le Vic Viper, que l'on aperçoit aussi dans le jeu YY World. Et il est très probablement possible de trouver encore d'autres références à Gradius dans le monde du jeu vidéo, et particulièrement dans les productions Konami. Nous avons vu que le jeu Scramble, et donc sa suite Super Cobra, était fortement lié à Gradius. Il existe de nombreuses autres productions Konami qui ont plus ou moins des liens avec Gradius, via quelques éléments par-ci par-là. C'est le cas pour les jeux Falcion, Flak Attack, Ajax, Thunder Cross 1 et 2, Space Manbow, Quarf, Trigon, Crisis Force, XXX. Passons maintenant aux suites. Pour plus de clarté, nous allons décomposer la série Gradius en plusieurs parties. La série principale, la série Salamander, divers spin-offs, la série Parodius, la série Automedius et la série Twinbee. Pour bien commencer, il existe déjà deux suites portant la numérotation 2 pour Gradius. Gradius 2 sur MSX en 1987 et Gradius 2 en chiffres romains en arcade en 1988. La première suite de Gradius, Gradius 2 donc, est apparue dans un premier temps uniquement pour les ordinateurs MSX, et il s'agit d'un excellent jeu pour cette machine, à la difficulté plus élevée que le premier épisode. Ici, un petit scénario est dépeint par une introduction présentant Venom, le méchant alien vert qui sera l'adversaire de James Burton, cette fois-ci aux commandes d'un vaisseau appelé le Metallion. On retrouve ici 8 niveaux distincts, ruines, niveau biologique, niveau avec des plantes, niveau avec des flammes, contenant des passages secrets, et l'on a cette fois plus de boss différents, et si vous réussissez à les détruire rapidement, une vie supplémentaire vous est offerte. Dans Gradius 2, les armes gagnent également en innovation, et il est possible de ramasser de nouvelles icônes pour obtenir des capacités supplémentaires pour un temps limité. On peut par exemple être équipé d'un forêt pour creuser certains murs. Ici, les ennemis peuvent aussi avoir des power-ups, leur donnant par exemple la possibilité de ralentir le temps. La musique et les graphismes sont également excellents pour un jeu MSX. Mais ce que l'on peut reprocher au titre, c'est une certaine paresse dans le choix de faire rejouer tous les niveaux à l'envers. Et tout de même un défilement haché, dû aux limites techniques du MSX. Ce dernier point ayant été corrigé dans sa réédition PSP bien plus tard, dans la compilation Salamander Portable Collection, disponible uniquement au Japon. Petit fait amusant à propos de Gradius 2 sur MSX. Sur cet ordinateur, il y avait deux ports cartouches. Et si vous aviez inséré Gradius 2 dans le premier port, en le combinant avec quelques autres jeux Konami insérés dans le second port cartouche, cela débloquait des possibilités cachées du jeu. Ainsi, par exemple, en insérant le jeu Pingouin Adventure dans le second port, le vaisseau était remplacé par un pingouin. Il existe une version améliorée sortie en 1993 pour le micro japonais Sharp X68000 appelée Nemesis 90 Sky. Elle apporte des améliorations graphiques, des contrôles plus réactifs, un défilement plus lisse, et ajoute deux niveaux supplémentaires, un champ d'astéroïdes et des cascades. Malheureusement, ce titre n'a jamais été réédité sur un autre support et reste donc peu accessible. A noter aussi qu'il existe une autre version non officielle faite par les fans pour le X68000, appelée Nemesis 94. Vient ensuite donc Gradius 2 en chiffres romains. En allant davantage à l'essentiel, il est possible de considérer que Gradius 2 soit, pour quelques éléments, un retour en arrière par rapport à la version MSX, mais il apporte cependant des évolutions importantes de la série et se montre comme un shoot 'em up très efficace. Ici, on retire les niveaux bonus et les différentes manières d'améliorer son armement, et on revient vers les mécanismes du premier Gradius. Ce Gradius 2 propose tout d'abord de superbes graphismes, sans ralentissement cette fois-ci. La bande-son est toujours aussi bonne, et on notera ici l'arrivée d'une voix off nous annonçant lorsque le Vic Viper a obtenu tous ses upgrades, ou bien disant « Shoot it in the core » pour indiquer comment affronter les boss. Et le jeu fait référence à l'épisode MSX, au premier Gradius et au spin-off Salamander sorti entre-temps. Gradius 2
permet de choisir un équipement de base pour le Vic Viper au début de partie en ayant le choix entre 4 configurations différentes. De nouvelles armes sont disponibles et permettent un laser plus large, un tir en avant et en arrière. La difficulté a cependant déjà été revue très à la hausse et le jeu commencera à poser de véritables problèmes dès le troisième niveau. Ces niveaux sont au nombre de 8. Un niveau autour du thème soleil avec des serpents de feu et un boss faucon géant dangereux. Un niveau organique avec des œufs qui éclosent et se jettent sur vous façon alien. Un niveau sur des blocs de cristal à détruire qui se séparent en plusieurs morceaux comme dans Astéroïde. Une grotte remplie de végétation et de volcans et d'un ennemi capable de vous voler vos upgrades. Il est donc maintenant possible de les perdre sans mourir. Le niveau avec les statues de l'île de Pâques qui introduit des moai rouges capables de tourner la tête. Le niveau de la base qui va augmenter le scrolling et forcer à prendre des risques pour pouvoir passer au travers des portes en train de se fermer. Le niveau de boss, niveau entièrement dédié à l'affrontement contre une armée de boss. Ceci avait déjà été vu entre temps dans le jeu Fantasy Zone. Et le niveau final, avec un plafond qui se détache, un mur armé, un décor qui prend vie, une araignée mécanique géante invincible, et c'est l'affrontement contre le cerveau géant. Oui, Gradius 2 en envoie plein la vue. Le jeu a été adapté sur NES, l'adaptation est de bonne qualité, et propose quelques éléments supplémentaires. Bande sonore, boss, niveau 1 plus long... La version PC Engine est aussi très bonne. Elle ajoute une cinématique et un niveau, des ruines anciennes, et diminue un peu la difficulté. C'est cette version qui est reprise plus tard pour la console virtuelle de la Wii. Seule adaptation sortie du Japon actuellement, car aux États-Unis. La version X68000 est aussi très bonne, et rehausse la difficulté. Les autres versions sont plus ou moins identiques à la version arcade. Tout comme il y a eu étrangement deux versions totalement différentes en arcade et sur MSX pour le second épisode de Gradius, ce fut le cas également pour le troisième épisode. Sorti juste après Gradius 2 en arcade, Gopher no Yabu épisode 2 paraît à la fois en être une adaptation, il en reprend de nombreux éléments, et à la fois en être une suite, comme l'indique le titre japonais Gopher no Yabu épisode 2, alors que Gradius 2 en arcade était sous-titré Gopher no Yabu. On retrouve ici des niveaux extraits du jeu arcade, auxquels sont ajoutés quelques nouveaux, cumulant ainsi une dizaine de niveaux. Il s'agit d'une très grosse production pour un jeu MSX, mais les limites de la machine poussent toujours à ce scrolling saccadé. D'autant que contrairement à l'épisode MSX précédent, les rééditions n'ont jamais corrigé le défaut. Il y a dans ce jeu, en comparaison aux autres épisodes, de nombreuses cinématiques décrivant l'histoire des descendants de James Burton. Gradius 3 en arcade, même s'il apporte quelques nouveautés, semble surtout cumuler beaucoup de choses des épisodes précédents et n'apporte pas d'amélioration visuelle par rapport à Gradius 2. Ajoutons à ce côté peu inspiré une difficulté impitoyable, et tout cela expliquera que Gradius 3 fut un échec commercial, à tel point qu'il n'y aura pas de Gradius 4 officiel avant une dizaine d'années. Remarquons cependant la nouveauté de l'Edit Mode, qui permet de personnaliser encore plus la configuration de base du Vic Viper, et ajoute de nouvelles armes inédites, comme une bombe détruisant d'un seul coup tout ce qu'il y a à l'écran. Les différents niveaux font preuve de moins d'originalité, mais on pourra remarquer cependant dans le niveau végétal l'apparition de bras végétaux extensibles gluants capables de capturer le Vic Viper. On remarquera aussi un étrange niveau de couloir en 3D à l'utilité critiquable. Le jeu a été réédité sur Super NES, uniquement au Japon, mais a alors été diminué de nombreux éléments, même s'il en ajoute en contrepartie quelques autres.
et reste, malgré une difficulté légèrement revue à la baisse, toujours beaucoup trop difficile, notamment à cause de l'absence de continu. Le titre reste tout de même un bon shoot'em up pour la machine. C'est aussi cette version qui est disponible sur la console virtuelle de la maison. L'arrivée de Gradius sur console portable se fait au tout début de l'histoire de la Game Boy. Pour cela, Konami tente de reprendre l'essentiel de l'univers en essayant de l'adapter aux contraintes techniques de la machine. Nemesis sur Game Boy n'est ni réellement un nouveau jeu, ni réellement une adaptation. On y retrouve surtout des variations de précédents épisodes de la série. On y retrouve bien tous les éléments de Gradius, le système d'armement, les statues de Lilipak, Big Core, et le jeu est bien réalisé. Il est agréable à jouer et se prend bien en main, même si l'animation du vaisseau a été un peu sacrifiée. Cependant, le jeu est trop facile. Il est possible, par exemple, sans tricher, de choisir 99 vies, et beaucoup trop court. A noter que le jeu, tout d'abord appelé Nemesis, est ressorti plus tard dans une compilation Game Boy sous le nom de Gradius. En ce qui concerne Nemesis 2, contrairement à l'épisode précédent, il s'agit bien ici d'un épisode totalement inédit, conçu spécialement pour Game Boy. Même s'il reste court et facile, le jeu fait donc tout de même mieux que son prédécesseur, et propose de jolis graphismes pour un jeu fluide. Ici, le segment habituel de navigation, la prise en main au début du niveau, a disparu, mais le jeu propose en revanche un mode practice pour y remédier. On peut trouver une sélection au départ entre les missiles laser et double, trois possibilités pour chacun d'entre eux, et tout comme pour le premier jeu, les graphismes peuvent être améliorés avec une Game Boy Color, et le jeu a été réédité en compilation. Gradius Deluxe Pack est une compilation sortie uniquement au Japon des épisodes arcade Gradius 1 et 2, qui n'apporte pas réellement grand chose, si ce n'est qu'elle contient une scène d'introduction. Après l'échec de Gradius 3, donc, Konami avait laissé de côté la série, en ne proposant que les deux petits épisodes pour Game Boy, et en pariant davantage sur sa série parodique parallèle Parodius. Entre-temps, le genre shoot'em up a connu ses plus grandes heures de gloire et a laissé la place à d'autres genres devenus beaucoup plus populaires. À partir du milieu des années 90, le shoot'em up est devenu un genre que l'on dit de niche. Cependant, sans pour autant proposer un Gradius 4, Konami revient à une plus grosse production avec Gradius Gaiden. Un très beau jeu qui sera au final l'un des meilleurs de la série, mais restera réservé à un marché de niche et ne sortira pas du Japon avant sa réédition sur PSP, qui retire l'un de ses principaux attraits, un mode de joueur. Gradius Gaiden propose donc d'excellents graphismes, mais pas seulement. L'une des principales nouveautés est le fait de pouvoir, pour la première fois, jouer à deux simultanément. Cela rend le jeu plus agréable, mais aussi beaucoup plus accessible. En effet, lorsqu'un joueur perd une vie, ce dernier réapparaît aux côtés du second plutôt que de revenir en arrière. Il est aussi possible de modifier l'ordre des power-ups et ainsi de mettre, si on le veut, les plus puissants en premier. Même avec ces facilités données aux joueurs, le jeu reste bien sûr tout de même un défi. Les différentes séries d'armement à choisir en début de partie ont ici été remplacées par le choix de vaisseaux aux caractéristiques différentes. On retrouvera le Vic Viper ainsi que trois nouveaux vaisseaux, dont un tiré du jeu Falchion de Konami sorti entre-temps. Dans le jeu, il sera possible de tenir un bouclier empêchant de se cracher dans le décor, un laser rond décrivant un laser circulaire autour du vaisseau, le missile rolling, un missile tombant vers le bas et explosant horizontalement ensuite, ou encore un coup ciblant automatiquement les ennemis. Le jeu propose 9 niveaux différents, un voyage à travers un très beau champ de neige, puis une décharge où on devra affronter les restes d'anciens boss battus dans les épisodes précédents, un niveau de cristaux dans lequel les lasers rebondissent dans les cristaux rendant leur trajectoire plus imprévisible, le niveau des Moai, désormais cassable en deux qui continue à envoyer leurs rayons en tombant, le niveau organique dans un boyau qui se contracte et où le boss est un œil géant, le niveau végétal avec d'étranges créatures qui chercheront à vous avaler, la caverne dans laquelle vous pourrez détruire vos ennemis en vous servant de la destruction du décor, un niveau enchaînant des boss, dont un trio de vaisseaux, et des passages très rapides,
et la base avec des cul-de-sac, un bélier armé de lance-flammes, des boules d'énergie, des serpents et le boss final. Il est ensuite possible de refaire le jeu avec un niveau de difficulté plus élevé et même avec quelques nouveautés. Radius Gaiden est donc un excellent jeu. Après ce très bon épisode, Gradius 4 a vu le jour. Malheureusement, bien que joli visuellement et proposant des mélanges 2D 3D, le jeu déçoit à nouveau, notamment en apportant très peu de nouveautés et même en réduisant des éléments par rapport à Gradius Gaiden. Plus de modes de joueurs ou de possibilité de choisir le placement des armes. Les trois premiers niveaux sont des quasi-remakes de niveaux d'anciens épisodes, sphères de feu, plantes, cristaux. Ajouté à cela, on trouve d'autres niveaux peu inspirés, un niveau d'accélération, le niveau biologique et le niveau des mailles, et un niveau un peu plus créatif, un niveau volcanique avec des vagues de lave et des îlots de feu. Après cet épisode, le développement sera confié à des compagnies extérieures. Gradius 3 et 4 ont été réunis dans une compilation sur PlayStation 2, qui ajoute une scène d'introduction et une difficulté ajustable. Puis il y a eu un jeu pour Game Boy Advance, Gradius Galaxies, qui a été développé par la société Mobile 21. Sans grandes ambitions et sans vraiment renouveler, le titre se montre malgré tout relativement réussi. Même s'il n'atteigne pas le niveau de Gradius Gaiden, les graphismes sont assez travaillés, avec par exemple par moments des effets de rotation, mais on ne peut pas en dire autant cette fois-ci pour la musique, criarde et dépassée. Les niveaux n'ont rien de très originaux, à part peut-être quelques détails par endroits, comme un boss noir cybernétique dans le niveau concerné. La version japonaise du jeu possède quelques niveaux en plus par rapport aux versions américaines et européennes. En plus des remakes pour téléphone portable, il existe quelques épisodes qui ont été développés exclusivement pour mobile. Gradius Neo est l'un de ces jeux. Étant donné son support, il s'agit d'un assez bon jeu, on y trouve notamment un niveau Moai assez ouvert et un niveau labyrinthique. Il a connu une suite, Gradius Neo Impérial, sorti uniquement au Japon sur téléphone portable, dans lequel le scrolling est inversé et l'on dirige Big Core. Il existe un autre jeu développé uniquement pour téléphone portable japonais appelé Gradius Arc Legend of the Silver Wing, qui est un jeu de stratégie en ligne. Il a été question d'un autre jeu pour le même téléphone portable japonais appelé Gradius Wide, qui a semble-t-il été abandonné. Après le décevant Gradius 4 vient Gradius 5, qui est l'un des meilleurs de la série. Le développement a été confié à la société Treasure, qui a entre autres développé précédemment Radiant Silvergun pour Arcade et Saturn, l'un des meilleurs shoot'em up jamais créés à ce jour. Le jeu est visuellement très réussi et aborde cette fois de nouveaux thèmes. En effet, il n'y a que le niveau biologique qui sera repris des anciens épisodes. Tous les autres sont absents, même celui des Moai. La musique, sur un ton électronique, est plutôt réussie, même si elle manque un peu de mélodie accrochée. Quatre configurations de power-up sont disponibles au début du jeu et paraissent relativement limitées. Mais les power-up sont en fait complétés une fois que vous avez terminé le jeu une première fois. Gradius 5 permet de contrôler pour la première fois
la position des options autour du vaisseau via la touche R1 de la manette. Vous pouvez choisir de les maintenir en place, de les propager verticalement, de les mettre en rotation autour du vaisseau. Il est également possible de choisir de garder les options après avoir été tué ou non. Et le mode de joueur est de retour. Gradius Collection sur PSP est une compilation des jeux arcade Gradius 1 à 4, ainsi que de Gradius Gaiden. Le jeu contient les cinématiques qui ont été ajoutées dans les précédentes compilations, ainsi qu'un système de sauvegarde automatique. Téléchargeable sur Wii, Gradius Rebirth se présente davantage comme un remake de divers éléments de la série que comme un véritable nouvel épisode. Il manque en effet pas mal d'inspiration et reprend énormément de choses d'anciens épisodes. Qu'il s'agisse par exemple des niveaux ou de la musique, même si elle a été réarrangée. Ses graphismes semblent également vouloir lui donner un aspect remake d'anciens jeux arcade, et on retrouve même ici le pilote James Burton. La difficulté, souvent trop élevée des jeux, est ici gérée différemment, grâce à des orbes de puissance donnés après une mort, la possibilité de crédit infini, et de sauvegarder à l'endroit où on le souhaite.